à tous. Nous allons aujourd'hui, avec l'aide de Dieu et l'attachement au tzaddik, commencer à étudier le livre qui s'appelle Le Chaye Moharan, la vie de Rabbi Nachman de Breslev. Ce livre a été écrit par Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman. Et dans ce livre, il raconte un peu tout ce qui s'est passé avec Rabbi Nachman, tout ce qu'il a pu noter durant son rapprochement à Rabbi Nachman. Alors nous allons commencer à lire l'introduction, je vais lire en hébreu et essayer de traduire pour que vous puissiez suivre sur un livre si vous voulez. Mi emalal gvot Hashem yashmiya kol teilat. Ça veut dire que qui pourra raconter toutes les grandeurs de Dieu et faire entendre toutes ses splendeurs? Ça veut dire qu'en fait, Rabbi Nathan utilise ce passouk de Tehilim qu'aurait dit David Hameler sur la grandeur de Dieu, que comme de même que la grandeur de Dieu est infinie et qu'il est impossible de raconter toute sa grandeur et faire entendre toute sa splendeur puisque c'est vraiment infini. Alors Rabbi Nathan se sert de ce passouk pour nous dire que même la grandeur du tzaddik, elle est elle aussi infinie et indescriptible. Mi yuchal les saper, qui pourra raconter, mi yuchal les shayer, et kol agdolot va niflaot va noraot, asher asa adonenu morenu va rabenu, qui pourra décrire toutes les grandeurs et les splendeurs qu'aurait fait avec nous notre maître, ora orot, ora tzartzachot, ora ganus, vetzafun, vetamun, imklal nafshot israel, shbem kloin kol haolamot. La lumière cachée, la grande lumière qui est le tzaddik, Rabbi Nachman, qui pourra décrire tout ce qu'il a pu faire avec l'ensemble des âmes du peuple juif, dont eux dépendent tous les mondes. Asher pa'al v'asai manashav, ou beyoter asher pa'al v'asai manashav amkoravim elav, asher zachou l'estofef betzilo tzel akadosh, l'ishmoa mipiv ma shishamu dvarim shikisa atik yomin. Et encore plus particulièrement, avec toutes les grandes choses qu'il a pu faire, Rabbi Nachman, avec les personnes qui ont eu le mérite de se rapprocher de lui, et d'être à ses côtés, au bipratut, à Shapal, à Saimi, à Ani, à Avion, à Shakimani, à Far, à Mashpot, à Shivani, à Tzlo, à Kervani, à Rachama, à Yoter, à Samach, à Doalai, à Kabel, à Liftov, à Kol, à Divret, à Tov, à Sikhotav, à Sipurim, à Siotav, à Kol, à Shal, à Kol, à Zikani, à Mirtav, à Yadi. Le Rabbi Nathan dit que, encore plus particulièrement, tout ce que Rabbi Nachman aurait pu faire avec moi-même, Rabbi Nathan, tout ce qu'il a pu faire avec lui, qu'il a élevé de la poussière et des poubelles, et l'a installé auprès de lui. Et il m'a nommé comme étant celui qui allait retransmettre à l'écrit tous ses enseignements et ses histoires. Rabbi Nachman a dit à Rabbi Nathan qu'il attendait ça de lui, que ce soit lui qui remette à l'écrit tout ce qu'il allait entendre de sa bouche. Alors Rabbi Nathan dit ensuite, Vamar Befe Malé, Rabbi Nachman a dit de vive voix, Shen Mishiyodem Menuki Manuchi Meat Veot Kamal Shnot Kaele, qu'il n'y a personne au monde qui aurait pu percevoir véritablement la grandeur de Rabbi Nachman, à l'exception de Rabbi Nathan. Et comme ça, il a dit Rabbi Nachman plusieurs paroles qui ressemblent à ça, qui sous-entendent que c'est que Rabbi Nathan qui aurait su comprendre un petit peu seulement de la grandeur de Rabbi Nachman. Ou Bemet Nafshiyodat Meod, Mashiyo Charles Saper Klab. וכבר כתבתי הרבה וסיפרתי לחבריי ותלמידיי בפה הרבה מאוד. Et c'est vrai, Rabbi Nathan dit que mon âme sait énormément de choses que l'on ne peut raconter. Et j'ai déjà écrit beaucoup de choses et raconté à mes amis et mes élèves autour de moi pas mal de choses. Et Baruch Hashem, דברי עשו רושם בכוחו הגדול שנכנס בליבם האמת כאש בוערת. Grâce à Dieu, mes paroles les ont marqués par la force du tzaddik et les ont pénétrés dans leur cœur comme un feu brûlant. Ils se sont réveillés énormément de gens à se rapprocher de Dieu. Et comme Agvanis Talkub Ikdushav Tarav Nifteru Beshem Tov Mitoch Divrei Torah Utfila Veemuna Shlema Chelkam B'Chaim. Il y en a plusieurs de ces personnes qui ont entendu des paroles de Rabbi Nachman que Rabbi Nathan aura raconté, plusieurs personnes ont déjà eu le temps de décéder, ils sont décédés avec des paroles de Torah et de Tfila,
et avec une foi complète en Dieu et en Eul Tzadik. Et ceux qui sont restés vivants, que Dieu leur allonge leur vie, ils sont vraiment très renforcés dans leur confiance en Dieu et leur foi, comme un miroir massif qui ne peut être déplacé. Comme ça, ils sont fixés dans leur foi. Et malgré tout ça, yadati benafshi, je sais en mon âme, qui aime gam aime adayet sechin limudai rabba, que même ces personnes-là qui ont déjà entendu tout ce qu'ils ont entendu, il leur manque encore beaucoup de connaissances. Vaadayin enam yodim or amitat haemet la amitato bishlemut karaoui kasher takua benafshi. Et ils ne savent toujours pas, ils ne savent pas encore la véritable lumière complète. Que moi-même je ressens, que Rabbi Nathan ressentait dans son âme. Ou ken ma'amar rabotenu zichnam l'vracha arbe lamantim rabotai velo chissartim mehem ki'im kakelev amelakek me'ayam v'talmidai lo chassru mimenu v'chule. Alors Rabbi Nathan ramène un passage de la Gemara où Rabbi Eliezer, avant son décès, Rabbi Eliezer était un grand sage de la Gemara. Avant son décès, il était très triste. Alors ses élèves lui ont demandé pourquoi il était triste. Alors il leur a raconté qu'il est triste à cause du fait qu'il voit qu'il va bientôt quitter ce monde et il n'a pas eu le temps et la possibilité de retransmettre toute la Torah qu'il a pu apprendre de ses maîtres, le retransmettre à ses élèves. Alors il a donné cet exemple-là, Rabbi Eliezer, il avait dit « J'ai appris énormément de Torah de mes maîtres, mais tout ce que j'ai pu apprendre de chez eux, ça représentait comme... quand un chien il lèche un petit peu d'eau dans l'océan. » Ça veut dire que mes maîtres connaissaient encore énormément de choses que je n'ai pas su apprendre d'eux. Et puis maintenant, de cette petite goutte d'eau qu'il a pu apprendre d'eux, il n'a pas pu transmettre tout ça à ses propres élèves. Et il dit que mes élèves, ils ont appris de moi comme quand on prend avec un pinceau un peu de maquillage du pot. Alors la petite quantité infime qu'on peut sortir avec le pinceau, c'est la Torah qu'ils ont pu sortir de moi-même, qui représente le pot de maquillage. Alors Rabbi Nathan emploie ce terme de la Gemara, cette histoire, pour dire que c'est la même chose avec lui. Tout ce qu'il a pu apprendre de Rabbi Nachman, ça ne représentait pas grand-chose par rapport à la véritable grandeur de ce tzaddik. Et tout ce qu'il peut retransmettre ensuite, c'est aussi infime par rapport à ce qu'il ressent lui-même dans son cœur. « Ma daber, que dirais-je ?» Qui colle dvarai elle nogim beidiot neimot notzetut elokut balev asher ou lekol chad kefum madim shair belibé. Comment pourrais-je, Rabbi Nathan dit, que pourrais-je dire, parce que toutes les paroles, toutes les choses, toutes les histoires qu'on peut raconter de Rabbi Nachman pour décrire sa grandeur, ce sont des choses qui représentent des perceptions divines qui se ressentent que dans le cœur. Selon chaque personne, chacun le ressent différemment selon son cœur. Ce n'est pas des choses qui peuvent se raconter facilement à l'oral ou à l'écrit. Ve'en en gvurotav en noraotav asher egav v'tarach ba'avodato yitbarach kol kach ad shezacha lema shezacha ve'ala lemakom she'ala asher imshich sichliot amukim ka'ele imaim amukim etza belev ish amok amok mimtzaenu. C'est ça la grandeur et la splendeur de Rabbi Nachman, qu'il a pu travailler énormément durant sa vie pour atteindre un tel niveau qui lui permet de faire descendre des perceptions divines à chaque personne selon son niveau où il se trouve à l'heure actuelle. Et chaque personne ressentira la grandeur de Dieu d'une façon différente selon son propre niveau. עד אשר בחוכמתו נשגבה וכוחו יעצום, העיר בטובו בלב הפחות והנשרת את נוצצות השגת אלוקות, מה שאי אפשר לספר לחברו כלל. Jusqu'à ce que grâce à sa sagesse de Rabbi Nachman et sa force infinie, il a pu éclairer par sa bonté le cœur de chaque personne, même les plus inférieures. Et il a su les éclairer par des perceptions divines tel qu'on ne peut raconter à l'oral. Ouvrez et chadash asher lo haya leolamim de kimrumas ba Torah meshra de sakina belikutei Moran siman amed ayin sham shetzichin Rabbi Gadol beuman nifla verofe neeman shiuchal leachnis asagot elokut belev aktanim kaele cholim kaele rechokim kaele.
Rabbi Nathan mentionne l'enseignement 30 du Likout Mora, la Torah Lamed, où Rabbi Nachman explique là-bas que plus la personne se trouve dans un niveau inférieur, et plus elle a besoin d'un tzaddik qui est encore plus élevé que la normale. Il donne l'exemple d'une personne malade. Plus la personne elle est malade, sa maladie s'aggrave, et plus elle nécessite d'un professeur encore plus expérimenté, encore plus grand, de plus grande renommée. Il ne peut pas se contenter d'un simple médecin. Alors c'est pareil, Rabbi Nathan veut dire que Rabbi Nachman, il a atteint des niveaux tellement hauts qu'il arrive à pénétrer même les personnes les plus inférieures, les âmes les plus abîmées qui se trouvent dans le peuple juif. Même eux, Rabbi Nachman arrive à les soigner, à les rapprocher de Dieu. Veine, im en kle aktiva ou kle dibur maspikim le saper chalek echad me elef meacher belibi, im kol ze lo tzi chalak yefshar. Il dit à Rabbi Nathan que malgré le fait qu'à l'écrit et à l'oral, on ne peut raconter même pas un millième de la grandeur de Rabbi Nachman, de ce que lui-même ressentait, ce qui est encore loin de la véritable grandeur complète de Rabbi Nachman. Alors même s'il ne peut pas remettre tout ça à l'écrit, mais il ne peut pas non plus ne rien écrire du tout. Alors c'est pour ça qu'il a fait ce livre. Alken l'iminayom shezachiti l'etkarev, c'est pour ça qu'à partir du jour où j'ai eu le mérite de me rapprocher de Rabbi Nachman, chizkani Hashem itbarach ve'uzal, zichrono livracha. La soc biktivat noraot yitgalut torato agdosha. Alors, Hashem Ibarach m'a donné les forces, et lui-même aussi Rabbi Nachman, à pouvoir me consacrer à l'écriture de toutes les grandeurs et les splendeurs des enseignements de Rabbi Nachman, de tout remettre tout ça à l'écrit. Vehashem Ibarach iskani yichtov tamid yanyanim vehasichot shayu etzel kol Torah. Et Dieu m'a donné la force d'écrire toujours les sujets et les conversations qui se trouvaient autour de chaque enseignement de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, en général, quand il transmettait des torotes, des enseignements, alors ça ne se faisait pas d'une façon... ça se passait la plupart du temps spontanément. Ça veut dire quelqu'un il parlait d'un certain sujet. Alors, suite à ce sujet, Rabbi Nachman commençait à développer un enseignement qui était relié à ce sujet. Alors, Rabbi Nachman a noté tous ces sujets, tous ces contextes de chaque enseignement. Rabbi Nathan a noté tout ça et il a mis tout ça sur l'écrit, qu'on verra dans ce livre aussi. Qui a daté chez Kol Dibour et Dibour ou Torah Shlema, parce que je savais que chaque conversation qui sortait du tzaddik, c'était véritablement un enseignement à lui-même. אבל בתחילה לא נזרתי עדיין לכתוב כל השיחות הקדושות והדיבורים הקדושים שיצאו מפיו הקדוש, כי אם מה שהיה בהם איזה המשך התגלות חידושי תורה, אבל שאר השיחות לא נזרתי לכותבם. ידיר רבי נתן פה דיבור דו סון רפושמור, il a pas fait attention de noter vraiment tout ce qui sortait de la bouche de Rabbi Nachman, uniquement les choses qui étaient reliées aux enseignements que Rabbi Nachman allait donner par la suite de ces conversations. Rien que ces conversations-là, il a noté. ובאמת למן היום אשר התחלתי להכיר היטב עמיתה נשגבות מעלתו קדושתו הנוראה, הייתי אומר תמיד שראוי היה שיעמוד אחד שיכתוב כל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש בקדושה ובטהרה, וכל מיני חן של אמת ובהירה עד נוראה בוערות כלפיד אש. En vérité, il dit Rabbi Nathan que à partir du jour où j'ai véritablement connu encore plus Rabbi Nachman de Breslev, alors je me suis dit qu'il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours présent aux côtés de Rabbi Nachman pour noter chacune de ses paroles qu'il allait sortir de la bouche, chaque chose, même des choses qui n'étaient pas reliées directement à la Torah. Chaque parole était en véritablement très profonde et en elle-même une Torah. Alors il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours à ses côtés pour noter tout ça. Afilu kol adiburim de alma vetzorkei adam, même les paroles simples qui sembleraient être vanité, chas v'shalom, le tzaddik ne dit aucune vanité, même les choses qui, quand il dit apporte-moi une chaise ou un truc comme ça, ça c'est pas comme moi je vais dire apporte-moi une chaise, tout est calculé, tout est vraiment très profond. Alors toutes ces paroles-là, il aurait fallu les écrire. Le chol dvaram kulam ruim les katev, tous ces dires au tzaddik, du tzaddik sont aptes à être écrits. Parce que chaque parole qui sortait de la bouche, de sa bouche, même des paroles qui n'étaient pas directement consacrées à la Torah, toutes ces paroles sortaient avec une telle ferveur.
ומחמת זה התרשלתי ולא נשתדלתי לכתוב אפילו כמה דברי חוכמה אמיתיות שנשמע מדיבוריו הקדושים. Mais j'ai vu finalement que ce n'était pas quelque chose de techniquement possible de mettre quelqu'un qui soit toujours aux côtés de Rabbi Nachman pour noter tout. Il a vu que ce n'était pas concret. Alors à cause de ça, il s'est lui-même un petit peu refroidi d'écrire toutes ces paroles. Même les paroles qu'il aurait pu lui-même écrire, qu'il était présent à ce moment-là et qu'il avait entendu, même ça, il ne les a pas tout de suite écrits. ולא כתבתי כי אם כששמעתי איזה המשך דברי תורה או שהיה שייך לאיזה תורה je n'ai écrit que les choses qui venaient à la suite d'un enseignement de Torah que Rabbi Nachman aurait dit ou bien avant l'enseignement de Torah des choses qui étaient liées à la Torah de Rabbi Nachman עד אחר כמה שנים להתקרבותי אליו tout ça c'était pendant les premières années jusqu'à ce que plusieurs années après mon rapprochement à Rabbi Nachman hier Hashem Libi alors Hashem a éveillé mon cœur להתחיל לרשום גם כמה שיחות ועניינים אשר נשמעו מפיו הקדוש אז וקצת מה שנשמע כבר. Alors Hashem il a éveillé mon cœur à commencer à écrire et noter même les simples conversations et sujets qui ont été entendus de sa bouche sainte et même les choses qu'il s'est souvenu des années passées qu'il a entendu de Rabbi Nachman, il a commencé à tout remettre à l'écrit pour qu'on puisse comprendre dans quel contexte les enseignements de Rabbi Nachman ont été retransmis et etc. Et puis aussi pour qu'on puisse, celui qui arrivera à atteindre ce niveau, d'approfondir chacune de ces paroles de Rabbi Nachman. Une fois Rabbi Nachman, il a béni un de ses élèves qui mérite dans le monde futur de comprendre ces simples paroles qu'il a pu dire sur terre, pas les paroles de Torah, pas les enseignements de Torah, ces simples paroles qu'il aurait pu raconter une histoire ou qu'il aurait pu demander à quelqu'un de lui faire un café, qu'il ait le mérite dans le monde futur seulement de pouvoir comprendre ces paroles-là, la profondeur de ces paroles. C'est pour dire que rien n'était simple chez ce tzaddik. גם רשמתי כמה סיפורים ועניינים מאשר עבר עליו ועל אנשיו, ומעט מסיפורי הגיעתו ותרחתו אשר טרח ויגע בעבודת השם, אשר על ידי זה זכה למה שזכה. Il dit Rabbi Nathan que dans ce livre, il a aussi noté plusieurs histoires et sujets de tout ce qu'il a pu passer à Rabbi Nachman, et ses élèves aussi et un petit peu d'histoire, il a raconté quelques histoires dans ce livre où on peut voir les efforts et les fatigues que Rabbi Nachman a pu s'efforcer et se fatiguer pour dans le service de Dieu jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau qu'il a atteint. Mais c'est l'initiateur de l'Israël, il mentionne aussi le déroulement du voyage de Rabbi Nachman en Israël. Mais kama sipurim ma'asiot shayu etzel kol Torah ve'Torah ve'etzel kol sipur ma'aseh. Et aussi, il mentionne dans ce livre plusieurs histoires qui ont eu lieu au cours desquelles Rabbi Nachman aurait dévoilé chaque enseignement qui était relatif à ces histoires. Et les contes que Rabbi Nachman a dévoilés aussi, ils étaient reliés à des événements qui ont eu lieu avant que Rabbi Nachman commence à raconter chaque conte. Alors tout ça, tous ces événements, Rabbi Nathan les a retransmis aussi dans ce livre, à l'écrit. Si Dieu veut, la suite, le prochain cours, à très bientôt et Shabbat Shalom, ou une bonne semaine, ça dépend quand vous verrez ce film. À bientôt.